Nous accueillons 223 élèves du CE2 au CM2 et nous avons aussi la particularité d'être une école inclusive, donc nous accueillons à raison de 4 demi-journées par semaine 6 élèves de l'ITEP de Brolles. Que représente cette journée autour du sport et handicap? Eh bien, je dirais avant tout un espoir déjà, un nouveau regard. Donc une ouverture du monde sur la différence et faire justement de cette différence une richesse aux yeux de nos élèves. Mon rôle en tant que déléguée CASDEN, c'est de promouvoir les JO de 2024, puisque Paris est la prochaine ville olympique. Et donc sur l'école, nous avons eu l'occasion de monter un projet autour du handicap. Et notre école a été labellisée Génération 2024. Cette journée, pour nous, c'est l'aboutissement, c'est le point d'orgue de notre projet, puisque les élèves vont avoir la chance de rencontrer Riyad Salem. Nous avons aussi réussi à faire venir différents partenaires qui les ont fait manipuler et être encore plus proches du monde handicap. Donc la Fondation Poitat s'est venue avec 4 jeunes et des fauteuils pour faire du fauteuil basket. L'association Rando pour tous est venue avec des joëlettes et a montré aussi aux enfants comment ça se passait avec une personne handicapée. Vous savez ce que c'est ? Une joëlette. Oui. Alors vous avez vu comment ça s'écrit joëlette ? Parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent. Christian et moi, nous sommes tous les deux du club de randonnée de Bois-le-Roi qui s'appelle Rando pour tous. Comme son nom l'indique, eh bien, nous essayons de faire randonner le maximum de personnes, donc des personnes handicapées, des personnes non-voyantes. Donc, nous proposons toutes sortes de randonnées de tous les niveaux, depuis 3 km jusqu'à des marches rapides. Donc il y en a pour tous les goûts. Toute l'école a été mobilisée pour le projet. Chaque classe a pu passer avec son enseignant dans chaque atelier, donc en alternant joëlette et fauteuil basket. Dans nos classes, nous avions travaillé en amont sur l'arrivée de Riyad. Voilà, nous connaissons tout son parcours et les enfants sont très très impatients de le rencontrer. Alors je suis trop pressée de voir Riyad car c'est un grand athlète et ça, c'est un honneur pour moi de le rencontrer. Et pour le remercier, on a préparé une danse. Nous nous réunirons tous ensemble dans le préau. Nous lui ferons une petite danse d'accueil que les enfants ont préparée. Et il interviendra donc sous forme de questions-réponses avec nos élèves. Il présentera son parcours, son expérience et puis il répondra à quelques questions. C'est notre futur et donc c'est important de pouvoir leur transmettre ce qu'on a pu bénéficier, de continuer à avoir cette courroie de distribution intergénérationnelle, car moi j'ai bénéficié de ça quand j'étais enfant et j'ai envie de renvoyer aussi à ces enfants pour qu'ils puissent aussi trouver leur passion, avoir des métiers, des vocations même, pourquoi pas, des engagements. Comment faites-vous pour avoir autant d'énergie même après les entraînements ? À tous malheureusement égaux face à la nature. Il y a des personnes qui vont avoir un petit peu plus d'énergie que d'autres qui auront plus de mémoire, d'autres qui auront plus de force. Mais après, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ça se travaille. Et pour moi, c'est évident que d'être présent aujourd'hui, ça fait partie du job, on va dire, du sportif de haut niveau. Évidemment, il faut être performant sur le terrain. Et après, il y a notre performance, c'est de transmettre nos passions et nos rêves aux enfants.